Tira, il faut à tout prix que nous ayons une épreuve d'archerie. Celle-ci vérifie qu'un chasseur sait lorsqu'il ne doit pas décocher. Quand un archer doit garder sa flèche? Imagine-nous chassant ensemble. Tu fais craquer une brindille et je décoche dans cette direction sans réfléchir. Qu'arrive-t-il selon toi? C'est bon, j'ai compris. Lors de cette épreuve, on marque des points en touchant les bonnes cibles et on en perd en atteignant les mauvaises. Voilà qui me paraît simple. Et pour que cela soit plus intéressant, le temps est limité. Tu as envie d'essayer? Passe-moi un arc. Quand je te dirai, vas-y! Ne vise que si tu es prêt! Prends ton temps, il t'en reste beaucoup. Ta visée laisse à désirer, mais tu as mérité quelques jetons. J'ai fait ce que j'ai pu pour nous préparer à ce jour. C'est à présent aux dieux de juger et aux Nornir de décider. Bonjour, Norvid. Eivor, que puis-je faire pour toi? Montre-moi ce que tu as. Je pars. Porte-toi bien. Querelle, Ake. Simplement voir ce que tu prépares. Un défi, Eivor. Une authentique épreuve d'aptitude équestre. Il y aura des barrières à briser, des cibles à atteindre, en un temps limite. Quelle partie est un défi, exactement? Il faudra faire preuve à la fois de talent, de vitesse et de maîtrise. Tu penses vraiment posséder tout cela? Donne-moi le temps de monter à cheval. Thank you.
Eivor! Ce silence, Ake. Aurais-tu perdu ta langue? Ton talent me laisse sans voix, que veux-tu? Prends donc toute la récompense. Une rune de protection au prix du sang a été tracée sur notre maison longue. Un tort a été réparé, apportant ainsi la paix à nos défunts. Tu as remarquablement agi, Eivor. Viens chercher ta récompense. Alors, Norvid t'a remis les jetons? Oui. Il m'a même donné un panier où les mettre. Mais l'idée que ce soit moi qui les distribue n'a pas eu l'air de lui plaire. C'est lui qui a eu l'idée de ces jetons, et il aime les donner. Mais il retrouvera le sourire lorsque les gens viendront les lui échanger. Alors, que dois-je faire? Eh bien, si quelqu'un fait preuve de grand courage ou de respect envers les défunts, récompense-le à l'aide des jetons. Très bien, je vois. Donc si quelqu'un me dit avoir agi ainsi, je le laisse prendre des jetons. Et autant qu'il le désire. Braun, tu peux mettre en place quelques règles, ou au moins vérifier ses dires. Non, c'est inutile. J'ai un don pour juger les gens. Oui, c'est cela, oui. Nous verrons. Me mettre en route. Au revoir. C'est toujours un plaisir. Le sombre cavalier s'en vient! Dominus altum et supplementum alcorter liquidia domino. Signatra unis pia et pi sunt simula natura. Se fait plus net. Oh, vraiment? Une grande rune de protection inscrite sur la maison longue, les défunts apaisés, et une population prête pour la chasse. Je te crois moins fou que tu ne le laisses paraître, moine. Mais je vais te décevoir. Il n'y aura pas de chasse. En es-tu sûr? De puissantes forces s'assemblent. Nous ne sommes pas encore saufs. Les dieux sont en colère. Je ne douterai plus de toi, mon oncle.
Est-ce que nous aurions mal agi? Mais qu'est-ce que c'est? La chasse sauvage. Écoutez-moi tous. La chasse sauvage ne s'en prendra pas à nous. Comment le sais-tu? Parce que je connais le courage et le talent de notre peuple. Nous nous sommes unis, nordiques et saxons, pour relever de grands défis. Lorsque les hommes sont unis, lorsque les hommes sont forts, ils méritent le respect des dieux! Les dieux sont avec nous.